À 300 km du Groenland, l'Islande est dans l'Atlantique Nord une étape naturelle entre les continents européens et américains. La plupart des localités de cette île, pour moitié désertique, se trouvent sur la côte, comme Reykjavik, la capitale. À bord de leur drakkar, les Vikings sont parmi les premiers hommes à débarquer de Norvège au 9e siècle. D'autres viendront de Suède et du Danemark. Comme son nom l'indique, l'Islande est le pays de la glace. Les glaciers occupent en effet environ 11% de la surface. En se formant et en avançant, ils ont creusé des vallées très découpées, les fjords, qui dentellent la plupart des côtes de l'île. La partie centrale forme une immense étendue désertique très difficile d'accès en hiver, le Grand Désert Blanc, où d'énormes calottes glaciaires recouvrent tout de leur masse. Sur ces terres inhospitalières, même les Vikings ne s'aventuraient pas. Au sud, la plus jeune des îles Vestmann est née dans les années 1960 à la suite d'une longue éruption volcanique. L'Islande n'est qu'un immense champ de lave. On dénombre dans le pays près de 70 volcans, dont une quarantaine sont actifs, avec notamment celui où Jules Verne situa le départ de son voyage au centre de la Terre. L'Islande est en surface la deuxième île d'Europe après la Grande-Bretagne. Sur un espace 5 fois plus petit que la France, la nature compose un paysage éphémère. Les roches, parmi les plus jeunes de la planète, soumettent leur profil anguleux à une érosion considérable provoquée par le vent et les précipitations qui gonflent les cours d'eau. La pureté de l'eau est légendaire et les quantités accumulées donnent des idées aux Islandais. Ils envisagent en effet de devenir les premiers exportateurs mondiaux d'hydrogène. L'Islande se trouve à la jonction des continents américains et européens sur une faille où les matières en fusion chauffent l'eau du sous-sol. La température peut dépasser les 250 degrés à 1000 mètres de profondeur. Les volcans ont façonné le visage de l'île en association avec l'eau qui s'invite parfois dans leurs cratères. Le climat est rude et pourtant, grâce au Gulf Stream, les températures ne descendent jamais très bas. Sur cette île, les mammifères terrestres sont rares. Certains, comme le renard polaire, sont arrivés ici sur des icebergs à la dérive. Les oiseaux sont en revanche beaucoup mieux représentés, car l'Islande est un lieu de nidification idéal pour de nombreuses espèces migratrices. En symbiose avec l'environnement, la population islandaise dépasse à peine les 310 000 personnes, mais elle enregistre un des taux de natalité les plus élevés d'Europe. 1/5 de la population a moins de 15 ans. La vie est chère en Islande. Le travail s'impose donc à tous et le taux de chômage est ici bien inférieur à la moyenne européenne. Depuis la nuit des temps, les souvenirs des premiers rois norvégiens et des premiers habitants de l'île se transmettent par écrit à travers les sagas, des chroniques rédigées à partir du XIIe siècle. Le développement de ce genre littéraire a été favorisé pour détourner les Islandais des loisirs futiles et pour combattre l'ignorance avec l'appui du clergé. Le patrimoine traditionnel islandais reste bien vivant. Les trolls, les lutins des légendes scandinaves, et les elfes sont partout. Les elfes ont une apparence humaine, mais ils vivent dans des rochers. Les vraies maisons sont elles aussi bien intégrées à leur environnement. La recherche de la lumière est primordiale. En effet, en décembre, en raison de la latitude, le soleil se lève à midi et se couche avant 16 heures. Dans ces conditions, il importe de capter le moindre rayon et de favoriser l'entrée de la lumière. Même contemporain, l'habitat se protège du climat en exploitant des ressources parfois limitées, comme le bois. Le basalte lui-même peut servir de matériau, ou du moins inspirer les architectes. La création artistique ponctue le paysage islandais d'œuvres multiples où les quatre éléments ont fusionné. L'air, la terre, le feu et l'eau. Quatre éléments constitutifs qui ont soudé la cohésion nationale depuis l'indépendance en 1944. L'Église luthérienne et les valeurs démocratiques imprègnent ce pays où les ressources naturelles représentent un formidable atout énergétique.
Plus de 80% de l'électricité est d'origine hydraulique. Du côté agricole, les surfaces cultivées représentent à peine 1% du territoire. L'économie islandaise, grâce à la bauxite par exemple, a entamé un long processus de diversification. Il fallait réduire la dépendance par rapport au secteur qui fournit près de 65% des exportations nationales, la pêche. L'ouverture à l'extérieur se réalise aussi grâce au tourisme, une activité en développement favorisée par la géographie. Mais parfois, la géographie est contraignante. Sur un sol volcanique jeune, encore peu fertile, il faut imposer la pelouse pour qu'elle s'installe sur des terrains de football couverts de lave. L'instabilité du sous-sol et les conditions climatiques compliquent l'entretien et l'extension du réseau routier. Mais le pays engage de gros investissements pour absorber un parc automobile en augmentation. Le développement des communications par les ondes compense les aléas des moyens de communication terrestres. La seule locomotive nationale appartient à un autre âge. Sur cet espace voué à la mer, et où la terre peut se dérober sous les pieds, la meilleure façon de se déplacer est encore de prendre l'air. Sur la côte au sud-ouest, Reykjavik est la capitale la plus septentrionale du monde. Avec la banlieue, la ville rassemble plus de 60% de la population nationale. Nullement à l'étroit dans cette ville plus étendue que Paris. Parmi les références historiques se dresse la statue de Leifur Eriksson, le viking qui découvrit l'Amérique en l'an 1000, bien avant Christophe Colomb. La place centrale, dominée par la cathédrale luthérienne, rappelle que l'État et l'Église sont mariés en Islande. Mais les deux tiers de la population sont favorables à une séparation plus tranchée des deux entités. Le Parlement a été construit au 19e siècle. Au bord du lac Turnin, il contraste avec la nouvelle mairie. Les enfants qui viennent le week-end nourrir les canards et les cygnes y rencontrent parfois des oiseaux migrateurs. C'est en plein centre-ville que se trouve l'aéroport domestique, aménagé par les Britanniques en 1940 pour le contrôle de l'Atlantique Nord. Avec l'appui de l'Église, l'État islandais n'hésite pas à intervenir dans l'économie. Il impose par exemple l'indexation des salaires sur le coût réel de la vie. Beaucoup d'Islandais se sont endettés lourdement pour acquérir leur logement. Le résultat est appréciable, car en appartement ou en maison individuelle, la surface moyenne dont les habitants disposent pour leur logement est plus importante que dans les pays scandinaves. Les risques de tremblements de terre ont incité les autorités à adopter une législation très stricte qui fait la part belle aux matériaux antisismiques. Les techniques modernes permettent d'élever des structures souples qui accompagnent les tiraillements du sol sans se déformer. La coupole du restaurant Perlan est posée sur des réservoirs d'eau chaude destinés à la ville. Elle évoque la bulle de gaz formée par le jaillissement d'un geyser. Le mot Reykjavik signifie « baie des fumées ». Ce nom a été donné à la cité par le premier colon en raison de la vapeur que dégageaient les eaux chaudes. Un endroit propice à l'installation de l'homme et à l'exploitation de bancs de poissons abondants. La ville de Reykjavik est établie bien à l'abri au fond d'une vaste baie. Elle bénéficie de l'influence du Gulf Stream, le courant chaud qui remonte l'Atlantique en provenance du golfe du Mexique et qui rencontre un courant froid venu du pôle. Le Gulf Stream favorise la végétation et la faune aquatique. Mais en raison de la chasse abusive, certaines espèces ont disparu, comme le grand pingouin. De l'autre côté de la baie, le mont Isia dresse un obstacle massif qui dépasse 900 mètres d'altitude. Il s'oppose au vent du nord et permet aux habitants de la capitale d'apprécier la vie en plein air à n'importe quelle saison. Reykjavik possède une plage où l'on peut se baigner grâce à une arrivée d'eau chaude d'origine géothermique. Le tout est de ne pas prendre froid entre la plage et la douche chaude.
L'eau chauffée naturellement au sous-sol est utilisée de diverses façons. Exemple, les piscines. On nage à ciel ouvert en toute saison, dans une eau fournie gratuitement à bonne température par la nature. L'eau des grands bassins est moins chaude que celle des petits, où l'on se détend après la natation, dans une eau qui peut atteindre 40 degrés centigrades. Conçus pour braver les rigueurs du climat, les centres commerciaux forment une oasis de chaleur où tout est fait pour inciter les clients à rêver aux tropiques. Le niveau de vie est très élevé en Islande et le PIB par habitant est un des plus importants du monde. Partout, les enfants sont l'objet de toutes les attentions. Dans les centres commerciaux comme ailleurs, un espace leur est toujours réservé. Les centres commerciaux organisent de nombreuses animations pour leurs visiteurs. Avec la participation de chefs venus du monde entier, le Food and Fun Festival, par exemple, permet aux néophytes de s'initier à la haute gastronomie. Les ingrédients les plus variés peuvent entrer dans la réalisation des plats. Les ressources du terroir sont bien évidemment mises à contribution, à commencer par la plus pure des productions islandaises, l'eau. Une fois les préparations terminées, un jury se réunit pour apprécier en connaisseur. Les concours aiguisent l'émulation entre les chefs et les bonnes fourchettes sont nombreuses en Islande. Les restaurants de qualité ne désemplissent pas. Arrive enfin le moment tant attendu où le vainqueur va sortir de l'ombre. Les résultats sont proclamés au Perlan, dans une grande fébrilité. Le festival consacre un jeune talent dont les mérites sont reconnus par tout le monde avec enthousiasme. Sous la coupole de verre, la nuit semble triompher, mais c'est encore trop tôt. Un sillage entaille le ciel de glace et petit à petit, le jour s'efface, absorbé par l'interminable crépuscule boréal. Un soleil artificiel prend le relais. Et de joyeuses caravanes convergent les vendredis et samedis soirs en direction du centre-ville. Sous les lumières électriques, on s'échange les adresses des endroits où il faudra se trouver sous peine de louper sa soirée. En quittant la banlieue de Reykjavik vers le sud-ouest, la route longe la péninsule de Reykjanes. À perte de vue, s'étend un immense champ de lave, dont la formation remonte en partie au XIVe siècle. Un âge dérisoire en géologie. La lave, encore peu décomposée, n'accueille qu'une mince pellicule de mousse. On est proche de l'aéroport international. Comme l'avion qui sort de l'œuf et l'arc-en-ciel qui sort de terre, l'Islande est symbole de pureté originelle. Près d'une centrale géothermique, le Blue Lagoon, le lagon bleu, est rempli d'une eau dont la température atteint 40 degrés. La présence de silice confère à l'eau sa couleur laiteuse et des vertus curatives pour certaines maladies de la peau. L'eau est captée à près de 2 km sous terre, où elle est chauffée par la proximité du magma en fusion.
petite centaine de kilomètres à l'est de Reykjavik, s'élève le Laugarfjall, le mont des sources chaudes. Sur le site de Geysir, l'écorce terrestre est tellement mince qu'elle peut céder sous les pas. L'eau chauffée est projetée en hauteur pour former un geyser. Geyser, un mot d'origine islandaise. Une bulle de gaz gonfle la surface de l'eau comme une coupole lorsque jaillit Strokkur, le piston, le geyser ainsi baptisé car son mouvement est étonnamment régulier. Il se manifeste en effet toutes les 5 à 10 minutes. Le spectacle géothermique est ici permanent, depuis le violent tremblement de terre qui marqua la région en 1292. L'eau chaude du sous-sol est gratuite, mais le captage et la distribution exigent un important réseau d'acheminement, et les forages sont très coûteux. Mais les investissements sont bien utiles. L'usine de Nesjavellir, par exemple, fournit l'électricité et l'eau chaude à Reykjavik. Aujourd'hui, grâce à des matériaux bien isolants, les canalisations permettent de transporter l'eau chaude sur de grandes distances. Ainsi, la quasi-totalité des logements de la capitale sont chauffés grâce à une usine située à 30 km. La ministre de l'Environnement, Madame Siv Fritzleifsdottir. Nous avons beaucoup de projets concernant la géothermie. C'est merveilleux d'avoir ici en même temps des réserves d'eau et d'énergie venant de la Terre. Nous avons la plus grande proportion d'énergie renouvelable au monde. 70% de notre énergie est renouvelable. Les 30% restants, c'est le pétrole pour l'utilisation des voitures, des bateaux et des avions. Nous avons le système d'énergie le plus propre de la planète. En Islande, les technologies de pointe sont bien utiles, car la nature peut devenir hostile et l'environnement représenter un danger. La technologie permet à l'homme d'affronter les éléments naturels. Ainsi, pour découvrir le pays en plein hiver, le pilote de la Super Jeep a tout prévu. Ásgeir Ásgeirsson. Computer is used for navigation. On utilise l'ordinateur pour la navigation. Il est relié à un GPS, ce qui permet de se situer sur le système de cartes intégré à l'ordinateur. Le programme me met les cartes les plus adaptées à l'endroit où je me trouve. De plus, j'ai une radio VHF, une CB et un téléphone pour des raisons de sécurité. C'est la seule chose qui marche sur les glaciers. Avec ces équipements, on se sent en sécurité et on retrouve toujours le chemin pour rentrer à la maison. Enfin, si on a envie d'entrer. Une autre façon d'explorer le pays, qui nécessite des protections plus sûres et un habillement parfaitement étanche. La motoneige. Cet engin souple se faufile partout. Beaucoup plus écologique, le cheval islandais a été introduit par les Vikings il y a plus de 1000 ans. Grâce à l'insularité, la race n'a pas changé. Ce cheval de petite taille, robuste, est connu pour son caractère affectueux. Parfois on se dispute, mais après on se saute au cou. Jeu de sabots, jeu de vilains, mais en fait, on s'aime bien. Et on aime aussi les caméras. Créé en 1928, le parc national de Þingvellir est le plus ancien site protégé d'Islande. Il impose le respect par la splendeur de ses paysages, mais aussi par le rôle qu'il joue dans l'histoire. La plaine du Parlement a vu siéger des assemblées démocratiques à partir de l'an 930. Le Parlement se rassemblait à l'abri des failles créées par la dérive des continents européens et américains. Elles ont toutes la même orientation, et les plissements de la roche ont dessiné de surprenants amphithéâtres naturels réputés pour leur acoustique.
Toujours à Þingvellir, l'eau se jette dans l'une de ses failles. La Gullfoss, la chute d'or, tombe d'une trentaine de mètres dans un étroit canyon de basalte. La côte ouest de l'Islande se découpe en trois péninsules parallèles. Celle du milieu, la péninsule de Snæfellsnes, est un passage obligé avant de gagner le nord. La péninsule entière semble figée sous la domination de l'imposant volcan Snæfellsjökull, où Jules Verne entame son voyage souterrain. Ce volcan couvert d'un glacier était encore actif il y a 2000 ans. Dans l'ombre du géant assoupi, le village d'Arnarstapi se fait petit. La pêche occupe environ 9% de la population active en Islande. Le secteur est fragilisé par la variation des populations de certaines espèces, comme la morue, qui représente un tiers des exportations de poissons. D'épaisses coulées de lave ont été travaillées par la mer, avec un sens manifeste du décor. Des colonies d'oiseaux ont élu domicile dans les falaises de basalte. Les espèces ne se mélangent pas. Elles se répartissent sur la hauteur des lieux. Par la majesté de ces paysages, la rareté des implantations humaines et le dépouillement de ses terres, la péninsule de Snæfellsnes a inspiré beaucoup de légendes. Un cadre hors norme qui évoque le bout du monde. La localité de Stykkishólmur vit essentiellement de la pêche. On y prépare une spécialité peu banale, le hákarl du requin putréfié. On laisse pourrir l'animal, qui peut peser 800 kg, afin que l'urée contenue dans le sang perde sa toxicité. Hildi Brandur Bjarnason. Ce requin est un animal des profondeurs qui fait 6 à 7 mètres. On l'appelle ici requin d'Islande, mais son véritable nom est requin du Groenland. C'est d'ailleurs là qu'il vit, dans les eaux froides et très profondes au large du Groenland. Dans les grands fonds, on peut dire qu'il se nourrit de n'importe quoi. En fait, il avale tout ce qui passe. Servi avec du pain complet en petit dé, le hákarl a la saveur d'un fromage fort après plusieurs jours de placard. Une fois qu'on l'a goûté, on ne peut plus s'en passer. La côte autour de Stykkishólmur a donné naissance à plusieurs sagas islandaises. Les elfes y résident dans leur propre maison et personne n'imagine les en déloger. Au départ du port de Stykkishólmur, les bateaux peuvent atteindre une myriade d'îles. On en compte près de 3000. Certaines présentent des façades d'orgues basaltiques qui hébergent des milliers d'oiseaux. L'aigle de mer, le pygargue à queue blanche, occupe le sommet de la hiérarchie chez les prédateurs ailés. La roche basaltique prend souvent la forme de tuyaux d'orgues serrés les uns contre les autres. Les eaux islandaises sont extrêmement riches en mollusques, en crustacés et autres invertébrés comme l'araignée de mer. Les pêcheurs organisent des séances de dégustation. Aucun doute sur la fraîcheur des produits, que ce soit les étoiles de mer, les coquilles Saint-Jacques ou les oursins.
Le jour de la fête des marins, les habitants de Sticky Solmoor se dirigent vers le cimetière, isolé le long de la côte. La pêche artisanale au large de l'Islande n'est pas sans risque, et de nombreux enfants du pays y ont laissé leur vie. Un monument a été élevé à la mémoire des marins disparus. Un père, un mari ou un frère. Bien des familles de pêcheurs ont été éprouvées. Les naufrages ont été fréquents au large de la péninsule. L'explorateur français Jean-Baptiste Charcot y perdit la vie en 1936. La cérémonie se prolonge par un office religieux. Après le recueillement, arrive le temps des réjouissances populaires. Tout le monde est là. C'est le moment où se rassemblent tous les représentants de la population islandaise. Des joutes amicales sont organisées. Elles mettent en valeur la condition physique, l'esprit d'équipe et le goût de la compétition, qui n'ont jamais manqué aux Islandais. Sur mer ou sur terre, avec les simples outils de la vie quotidienne, chacun trouve le moyen d'exprimer sa force, sa grâce ou sa décontraction. Pour traverser le plan d'eau à pied sec, une seule formule, foncez. Dès qu'on ralentit, les ennuis commencent. On s'accroche alors à un dernier espoir. Mais la situation est désespérée. Alors, on rentre à la nage pour ne pas sombrer corps et biens. À la fin des épreuves, les rescapés sablent le champagne. Et une victoire, ça s'arrose. En route pour le nord, l'absence d'arbres saute aux yeux. D'anciennes publications confirment l'existence de vastes forêts en Islande. Elles ont été fortement décimées par l'exploitation abusive du bois. Dans le village de Hofsos, comme ailleurs, les constructions utilisent des matériaux de substitution. Et les bois de cervidés, même si leur usage est multiple, ne remplaceront jamais le bois de construction. La tôle ondulée coloriée se pose en plaques sur les maisons de bois. À Glöimbaeyjar, une couche de tourbe protectrice dissimule une ancienne ferme. Ses parties les plus anciennes remontent au XVIIIe siècle, une époque où le bois était ramassé sur les côtes. Un musée y a été aménagé pour reconstituer l'habitat traditionnel islandais, plutôt élaboré malgré les difficultés de la vie d'autrefois. En plein hiver, la ferme devait vivre en totale autarcie avec la viande qui sèche sous le toit ou le poisson que l'on conserve dans la saumure, en barrique. L'église de Vidimiri fait aussi appel à la tourbe comme couverture. La religion luthérienne fut introduite dès le XVIe siècle par les Danois. À partir du XVIIe siècle, le commerce maritime brassé par les Danois contribuera à la création d'Akureyri, la deuxième ville d'Islande. À l'abri d'un fjord long de 60 km, la cité bénéficie d'un climat très favorable, malgré sa situation à une centaine de kilomètres du cercle polaire. En hiver, les traditionnels pulls islandais restent toutefois indispensables. Anna Greta Baldursdottir. Le pull islandais représente l'âme islandaise. Mieux, il représente le visage des Islandais. J'ai appris à tricoter à l'école comme toutes les petites filles.
mais je l'ai appris également à la maison, puisque c'est une tradition qui se pratique depuis plusieurs siècles dans les familles. Les traditions sont profondément ancrées dans la société islandaise. Ainsi, à l'occasion du mercredi des cendres, le jour qui entamait la longue privation du carême, les enfants déguisés se déplacent d'un magasin à l'autre. En échange d'une petite ritournelle, ils obtiennent des friandises. La fête de Skudagur a traversé l'océan en provenance du Danemark, vraisemblablement pendant la domination danoise, qui durera 6 siècles. Une période de triste mémoire, d'épidémie et de vexation que les Islandais veulent oublier. En quittant Akureyri vers le nord, le long de l'Eyjafjordur, le fjord des îles, la température de l'eau se refroidit. Les phoques adorent s'y prélasser sur les blocs de glace. Phoques communs et phoques gris sont ici chez eux. À une centaine de kilomètres derrière l'horizon, c'est le cercle polaire. Au nord-est, la ville de Húsavík doit une bonne part de son existence à la baleine. Un musée est consacré aux grands cétacés, dont une douzaine d'espèces fréquentent les eaux islandaises. Certains sont à l'origine des sirènes de la mythologie. Depuis des siècles, la baleine représente un véritable trésor pour l'Islande. Depuis les Basques au XVIIe siècle, de nombreux chasseurs de baleines étrangers ont capturé les cétacés au large de l'Islande, de manière parfois industrielle. Aujourd'hui, l'Islande chasse la baleine de manière dite scientifique, en faisant le pari de faire coexister pêche et observation des cétacés. Au sud de Húsavík, la nature volcanique de l'Islande reprend le dessus. Les quelques traces de présence humaine se fondent dans un océan minéral uniforme. Sur ces landes sans arbres, le vent s'engouffre sans retenue. Pour lutter contre l'érosion éolienne et le balayage de la fine couche de terre, on sème des rangées de lupins pour fixer le sol. La vie est tellement rare dans cette région que la NASA y envoya des cosmonautes pour préparer leur expédition lunaire. Pourtant, la vie existe et de manière intense autour du lac Mývatn, le 4e lac du pays par la surface, grâce à l'environnement volcanique actif qui libère des minéraux dans l'eau et grâce à la faible profondeur qui laisse la lumière pénétrer l'eau, les algues et le plancton se développent. L'écorce terrestre subit ici des tensions et des fractures multiples. Pour mesurer leur amplitude et leur fréquence, des repères sont mis en place. Certaines grottes contiennent des bassins d'eau chaude, dont la température supérieure à 50 degrés interdit toute baignade. On arrive à canaliser l'énergie géothermique, par exemple pour chauffer les serres. L'usine de Krafla exploite la géothermie pour produire de l'électricité. Elle est installée dans une zone où le volcanisme est récent et tellement actif que le fonctionnement de la centrale a dû être interrompu à plusieurs reprises. Les gaz contenus dans la vapeur éjectée du sol contiennent des éléments qui, au contact de l'atmosphère, se transforment en acide sulfurique. Pour rencontrer des températures plus fraîches, la meilleure façon consiste à prendre de l'altitude. Comme la météo change ici très vite, il vaut mieux éviter de partir seul. Un dicton islandais affirme « Si le temps ne vous convient pas, attendez 5 minutes ».
L'origine de l'Islande est à 100% volcanique. Un cratère rempli d'eau gelée ne signifie pas que le volcan soit définitivement éteint. La glace peut envahir la surface du lac Mývatn qui se fige en quelques heures. La lumière hivernale trouve dans la glace son plus bel éclat en dépit de la chaleur du sous-sol. Le feu et l'eau pactisent et la nature en harmonie assiste au spectacle sans broncher. Les éléments apaisés laissent alors la magie opérer et la lumière tout inondée. La façade orientale de l'Islande fait penser à un peigne, tellement les fjords y dessinent de profondes découpes parallèles. Toute la région bénéficie d'un climat très doux, et pourtant les fjords ne voient pas le soleil plusieurs mois durant. Seul, un petit pourcentage de la population islandaise réside dans cette région. L'érosion très ancienne a eu le temps de niveler le paysage en gommant les reliefs. Les paysages volcaniques cèdent ici la place à une campagne plus riante, où l'agriculture a pris ses quartiers. De profondes entailles tracées par les rivières d'origine glaciaire lacèrent la roche. Les oies sauvages trouvent le terrain d'atterrissage rêvé sur des plateaux isolés. Elles peuvent représenter un danger pour les avions qui fréquentent l'aéroport d'Egilsstaðir, le seul pour tout l'est du pays. La localité d'Egilsstaðir est établie au bord d'un lac, le Lagarfljót, dont les eaux prennent une teinte opaline en raison des alluvions glaciaires. Cet ancien fjord comblé, long de 30 km, est profond de plus de 100 mètres à certains endroits. En se formant et en avançant, les glaciers ont modifié le paysage. Ils sont une donnée incontournable de la géographie en Islande, surtout quand on sait que l'un d'entre eux est vaste comme la Corse. Sur la côte est, une dizaine de fjords se succèdent. Par sa masse en formation, le glacier rabote le sol et pousse devant lui des tonnes de débris, creusant une vallée plus ou moins étroite. Sur ses flancs, les eaux de ruissellement ajoutent leurs stries parallèles. Toute l'histoire de la terre islandaise apparaît en strates superposées. Le long de la côte, de nombreux oiseaux ont élu domicile, comme le macareux moine, qui creuse des terriers sur les pentes herbeuses. Son gros bec bariolé lui a valu le surnom de perroquet de mer. Dans l'Est, il y a toujours une localité installée au fond du fjord. Certaines ont été fondées par les Vikings. Jusque dans les années 1950, elles étaient complètement isolées l'hiver et le bateau était le seul moyen de liaison avec l'extérieur. Le poisson d'élevage ne cesse de se développer. Ainsi, en une décennie, les exportations de truites et de saumons ont été multipliées par 3. Les méthodes artisanales prédominent. Les systèmes de refroidissement sont eux aussi artisanaux. Pour conserver le poisson, on peut le sécher. À
Après avoir passé l'été dans le fjord, les chevaux se dirigent vers les plateaux, avant que la neige n'envahisse la vallée. Au plus profond d'un long fjord, le village de Fauskruusfjordur accumule les références explicites à la France. Durant la Grande Pêche, de 1830 à 1930, les marins français trouveront ici un abri commode et fonderont même un hôpital. Dans le roman de Pierre Loti, Pêcheur d'Islande, un marin originaire de Paimpol raconte la vie à bord des goélettes. Il décrit les difficultés du métier et les risques courus en hiver sur une mer froide et sombre. Après le retrait des glaciers, l'érosion continue, spécialement celle menée par les cours d'eau. L'eau pénètre jusqu'au cœur de la roche et en extrait des minéraux inconnus en surface. Les fjords de l'Est sont un paradis pour les collectionneurs de minéraux. Petra Sveinsdottir possède la plus belle collection du pays. J'ai ramassé des pierres pendant 70 ans et je considère que c'est plus le plaisir de ramasser que de constituer une collection qui m'a poussée au départ, déjà quand j'étais toute petite. La région de l'Est est très particulière en matière de pierres, surtout dans les fjords où l'on trouve des cailloux très originaux. Au sud-est du pays, le Cap des Baleines. Un isthme plat s'allonge sur l'eau, presque parallèle à la côte. L'isolement des lieux n'est troublé que par de rares intrusions, observées par la sterne arctique qui revient sur l'île avec le printemps pour nicher dans les prés du littoral. Le printemps annonce aussi la réouverture des gîtes qui restent fermés pendant tout l'hiver. Les tenanciers sont donc obligés d'avoir deux métiers, parfois très différents l'un de l'autre. Helga Erlendsdottir. En été, il y a pas mal de touristes en Islande. Et en hiver, il n'y en a pas. Alors en hiver, je peins. J'aimerais bien peindre aussi en été, mais il faut que je m'occupe des touristes. En direction de Vík, à l'extrême sud de l'île, la route longe le plus vaste glacier d'Islande, le Vatnajökull, qui est aussi le plus grand glacier d'Europe. Le Vatnajökull forme une immense calotte glaciaire de plus de 8000 km². Les langues glaciaires du Vatnajökull s'insinuent jusque dans la plaine. Même s'il est imperceptible à l'œil nu, le mouvement est bien réel. Au passage, la glace forme des moraines, des débris qu'elle arrache au sol et qu'elle véhicule dans sa masse. Quand la glace est chargée à ce point en surface, on imagine la quantité de matériaux qu'elle charrie en profondeur. Le Vatnajökull est le glacier des eaux. En effet, une de ses langues glisse jusqu'à la mer où elle se brise en iceberg aux formes étonnantes. À Jökulsárlón, le visiteur a la possibilité de s'aventurer sur le lac glaciaire. Les icebergs jouent avec les formes, mais aussi avec les couleurs. Certains portent les traces des cendres volcaniques. D'autres adoptent toutes les nuances du bleu. C'est l'oxygène compressé dans la glace qui retient le bleu du spectre lumineux. La texture de la glace varie aussi. Quand elle ressemble au cristal, elle est d'une pureté parfaite.
Dans la région, les langues de glace sont concurrencées par les langues de feu, qui ont formé d'innombrables champs de lave. Les bulles ont été dessinées par des émissions gazeuses au sein même du magma. À la limite du champ de lave, les elfes habitent un site sur lequel les voyageurs, avant de pénétrer le désert basaltique, dressent de petits monticules en guise de porte-bonheur. Plus loin, les trolls ont hissé un trois-mâts sur la plage, mais le bateau s'est pétrifié au large de Vik. Les plages de sable noir expliquent pourquoi Vik n'a pas de port. En effet, le littoral composé de cendres volcaniques est très instable. Les falaises offrent un poste d'observation idéal, notamment à Dirolae, où une somptueuse arche basaltique enjambe les flots. Dans la plaine nivelée par l'érosion, quelques buttes ont résisté au travail entrepris par le glacier. En longeant la côte vers l'ouest, le vert dissimule la couleur sombre du sol. Quelques minuscules localités sont des sanctuaires de vie traditionnels. À Skogar, un village de pêcheurs a été reconstitué avec ses maisons semi-enterrées et leurs toits couverts de tourbes. Le fondateur de l'écomusée veille sur un précieux patrimoine, Tordur Thomasson. Les Islandais ont habité des maisons comme celle-ci depuis l'origine, jusqu'à la fin du 19e siècle, puisqu'il fallait utiliser les matériaux disponibles, en l'occurrence la tourbe, la pierre, qui isolait mieux les maisons que le bois. Ça retenait mieux la pluie. La pierre, c'est du basalte qui est poreux et retient parfaitement l'eau. Quant au bois, qui servait par exemple aux charpentes, c'était du bois flotté qui arrivait à la dérive de Sibérie. La chute de Skogafoss tombe d'une hauteur de 60 mètres. D'après la légende, le trésor d'un colon y serait dissimulé. Encore plus à l'ouest, à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau de la côte, les îles Vestmann se sont formées il y a 10 000 ans, c'est-à-dire ce matin même, à l'échelle géologique de la Terre. Les risques liés au volcanisme n'ont pas empêché d'y installer le plus important port de pêche du pays. Après la violente éruption de 1973, la ville de Heimaey a vite repris vie et est restée la quatrième ville d'Islande. À proximité du cercle polaire, à travers l'immensité de l'Atlantique Nord, il n'y a pas de terre plus propice à l'escale que l'Islande. Depuis les Vikings, malgré son âpreté désertique, la terre islandaise oriente les navigateurs comme une balise sur l'océan. L'eau, les glaciers et les volcans ont façonné le visage d'une île encore sauvage où les éléments s'affrontent sans relâche. Quand les forces de la nature s'apaisent, le jour boréal éclaire leur formidable travail. Le feu et l'eau ont fusionné. Il reste
les lumières de glace.